C'est bon, ma caméra elle tourne. Le tir de tourner. De tourner, oui, de tourner. Alors, c'est parti pour la troupe. Oh, il neige dehors! Salut à tous, je suis Monsieur Remax. Et aujourd'hui, on se retrouve sur de la belle neige. Vous ne voyez pas, je m'en bats les couilles. Ah, bah c'est plus de la belle neige, c'est de la neige de merde. Bon, bah tant pis. Ah, quoi que, non, c'est drôle de la belle neige. Oh plus merde. Et nous voilà aujourd'hui sur une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais j'attendais la partie 3, elle est enfin sortie, ça me fait super plaisir, bordel de merde. Si je parle pas fort, c'est normal. On se retrouve pour un let's play, ou plutôt une vidéo réaction, plutôt les deux, puisqu'on va faire Azriel Awakening, que je vais traduire bien sûr. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des traductions? Je sais pas. Et nous sommes avec notre ami dégueulasse qui s'appelle PVC Sam. Salut. Ça fait longtemps que je suis sur cette chaîne. Ouais. Ah, là, c'est de la belle neige. Je sais même pas si on voit. Regardez. Regardez le Jingle Bell. Regardez. Oh, putain, mais c'est plus de la neige, là. C'est une tempête. Et regardez. Jingle Bell, va te faire enculer. Regardez la belle neige. Regardez. Regardez comme la pelouse va devenir blanche dans 5 minutes. Ou pas, vu qu'on est dans un pays où la neige fond directement quand elle touche le sol. Ah, quoique, elle a l'air de tenir. Ah oui, neige. Voilà. Ce n'est ah plus... oui, quand même. Oui, oui, c'est une tempête. J'ai remarqué, oui. Je joue déjà pas mes volets souvent, mais... Quoi, je vis dans une grotte, j'ai le droit. Donc, vous avez compris, cette vidéo ne sera pas sur Azriel Awakening, mais sur la neige. Alors, la neige, qu'est-ce que c'est? Alors, nous voilà à coup de neige. Oui, voilà, ça. En fait, c'est une bonne transition, vu qu'en fait, on va pas à coup de neige. En fait. Donc, j'ai rien dit. Donc j'ai déjà vu le début, mais c'est tout. Donc je vais... Putain, mais c'est quoi ça? Oh, c'est beau de voir la neige au ciel. Dans le montage, faudrait faire 3 heures à fantasmer sur la neige plus tard. Un plan en drone. Ah ouais, je pourrais faire un plan en drone, mais... Ah bah non, j'ai pas encore la caméra. Enfin, j'ai pas encore la carte. Caméra! Caméra! Ouais, du coup, je me demande si ça serait pas un peu dangereux la neige. Caméra, toi, tu peux arrêter de filmer le sol, s'il te plaît. Mais non, la neige, non, la neige, c'est pas grand chose. Putain, mais c'est pas de la neige, c'est des cotons là, c'est en train de dévaster la pelouse. Oh, je veux la pelouse et les blanches. Non, en fait, dégage Azriel Awakening, on s'en bat les couilles. Ouais, on va aller on veut voir la neige. On veut voir la neige, bordel de merde, la non, neige. Non, on va juste espérer que ça va rester, hein. Il faut rester professionnel dans les métiers de youtubeur. Hein. Putain, c'est beau. De youtubeur. On se retrouve donc, on va commencer le... Ouais, putain, mère, on commence. Allez, les youtubeurs bains, ça. Attends, juste ferme ta gueule. Ah. Attends, je vais juste augmenter le son parce que j'entends rien. Bon, alors. Frisk, ne tue pas et ne te fais pas tuer, d'accord? C'est la meilleure chose qui pourrait arriver. Bon, bien, à plus tard. Attends. Moro. Let's face it. ça commence bien. Alors on fait face à ça. Ah ouais, on fait face à ça, d'accord. Cet idiot va... Attends. Cet idiot va reset. Et quand il le fera, qui sait ce qui va arriver ensuite? Alors, ce qu'il va faire ensuite. Nous allons probablement être morts. Ne dis pas ça, Flobby. Frisk ne pourra même pas faire de mal à un Froggit. Je suis sûr qu'il va faire la meilleure chose pour la prochaine timeline. Juste... Bon. Juste comme il l'a fait pour celle-là. Je souhaiterais avoir ton optimisme. Il a le pouvoir de sauvegarder. Rappelle-toi ce qui nous... Attends. Rappelle-toi quand nous avons ce pouvoir. Ouais. Rappelle-toi quand nous avons ce pouvoir. Non. Tu te rappelles qu'est-ce qu'on avait fait avec ce pouvoir? Je souhaiterais n'avoir jamais... Mais Frisk a une âme assez forte. La plus forte que j'ai jamais vue. Il ne voudra pas être influencé pour faire n'importe quoi de mauvais.
Et il est content maintenant. Il est heureux maintenant. Il n'a pas besoin de reset. Peu importe. Oh, regarde là, une trou-risette. Pourquoi je ne suis pas surpris? Eh bien, Azriel, c'était marrant. J'espère qu'on se verra pour la prochaine timeline encore. Vraiment? Tu le penses? Ta gueule! Je veux dire... Je sais pas, ça me fait juste bien intérieurement. Je me sens bien. Enfin, mieux que normalement, en tout cas. Et je pense que... Attends, ça va trop vite. Et je pense que c'est toi qui me fais sentir comme ça. Je peux pas croire que je peux pas croire que je suis en train de dire ça à moi-même. Merci. Eh bien, pendant un petit moment, nous ferons plus qu'un à nouveau. Essaye d'être un peu plus gentil pour la prochaine timeline, s'il te plaît. Pas de promesse. Je traduis bien. Waouh. Moi qui commence à faire mon montage qui m'en semble, écoute. Pourquoi je suis encore moi-même? Pourquoi je ne suis pas une fleur? Une fleur? Pourquoi je me rappelle encore de la dernière timeline? Putain, elle est longue, couloir. Est-ce que c'est... Smiley Trashbag? Je sais pas comment dire. Ça. Hey, gamin. Sourire sac à ordures. Nous avons un gros problème. Azriel Awakening. Coming soon. T'as fait peur. Yeah, bitch, run. Allez, la partie 1. Tais-toi. Je vais la partie 1. Ça tourne au moins. Ça tourne. Bon, j'ai pas le message au début. Hein. C'est bon. Ok, est-ce que tu peux... Ça va trop vite. Ok, peux-tu nous dire s'il te... Non, peux-tu me dire s'il te plaît ce qui se passe? Quand tu as cassé la barrière, les âmes humaines se sont séparées. Les fragments ont été absorbés par quelques monstres. Et je ne suis pas certain de sur qui. Mais j'ai gardé un œil sur quelques personnes. Je ne suis pas extrêmement sûr de qui a ces fragments, mais certains d'entre eux ont probablement reçu l'un de ces morceaux. Attends. Ah, certains d'entre eux ne sont pas comme ils sont d'habitude, on va dire. Je ne peux pas y croire. Écoutons juste ce qu'il est en train de dire. Gamin, à qui tu parles? Moi-même, j'imagine. Ne me mens pas, c'est plutôt bizarre. Est-ce qu'il ne t'entend pas ou... Bien sûr que non, je suis dans ta tête. Seulement toi peux m'entendre. Ah, oh, c'est rien, peu importe. Comment as-tu remarqué ça? Eh bien, c'est un peu compliqué, mais tu comprends que... ta main se prend plutôt bien, n'est-ce pas? Je pense, j'imagine. Tu vois cette machine derrière moi?
It provides access to the vault. C'est un accès void. Dimensional source that une dimension entre. Attends. Ah, une dimension qui n'a jamais été affectée par les par le temps. Ou les resets. Les boulets. C'est un peu serré, donc j'ai seulement une petite fenêtre, mais c'est assez pour garder les notes. Ah, pour observer quoi. Oui, ce que n'a jamais été bien, n'a jamais été bon, n'a pas toujours été bon. Gentil, sympa, cool. Nique ta... They hurt a lot of people. Il a fait mal à beaucoup de personnes. They gained a lot of love. Il a gagné beaucoup de love. C'est pas moi. Mais avec ses resets, Frisk a... Ah, Frisk, tu as moins en moins. Avec ses resets, Frisk, tu as moins en moins. Jusqu'à la 8e timeline. Il a tué personne. Et nous étions tous libres. J'ai du mal, hein, j'ai du mal à parler aujourd'hui. But they still reset. Mais ils reset encore. And I fear that can only mean one thing. Et j'ai peur. Et j'ai peur que cela ne veut dire qu'une seule chose. They want to know what happens. Il veut que. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe quand il tue tout le monde. Non, ça ne peut pas arriver. Il ne fera jamais ça. Gamin, tu n'as jamais connu Frisk très longtemps. Mais apparemment, moi je l'ai. Et c'est une personne vraiment curieuse. Mais maintenant, je m'inquiète que ses actions soient irréversibles. Je sais pas pourquoi, mais... Enfin, je sais pas pourquoi et je sais pas comment. Mais nous avons... Mais nous devons faire en sorte de l'arrêter. Mais le tuer ne changera rien. Il va juste revenir. C'est là où les âmes humaines viennent. Si tu arrives à rassembler les âmes, les fragments, ça pourra égaler une âme humaine. Rassembler avec la détermination, nous pourrons en injecter avec. Tu pourras rassembler ça. En forçant une villette. Vas-tu vraiment croire ce trashback? Qu'est-ce qu'il connaît à propos des âmes? La seule personne qui sait quelque chose, ça doit être Alphys. Et encore, elle a une pile de records d'échecs. Écoute, Sense, je sais pas si je peux faire ça. Ça me semble un peu trop gros comme boulot comme moi, pour moi. Je suis sûr que tu peux le faire sans moi. Actuellement, je peux pas. Trop de DT. DT. Des ans. Hein? En DT. Ah, détermination. Ah oui. Actuellement, je peux pas. Trop de détermination sans une âme humaine peut avoir des effets négatifs sur les monstres. Mais tu peux avoir une âme. Mais tu n'as pas une âme de monstre. Ah oui.
C'est vrai. Mais attends, comment je ne suis pas retourné dans ma forme comment ça se fait que j'ai gardé ma forme de monstre? Prends un look. Putain, c'est... Prise 2. R-Max. Prise 2. C'est excellent. Voilà. Alors, jette un œil sur le moniteur. Ouais, sur l'ordi. Attends. C'est ce qui reste de ton âme. Une case vide habitée par une fleur. Quand tu deviens... Non. Quand tu deviens flowy, ça devient ça. Donc c'est bien, mais... Maintenant, c'est ça. J'ai un fragment d'âme humaine. C'est juste assez pour maintenir ta forme de monstre. D'après ce que j'ai trouvé, l'âme verte représente la gentillesse. Dieu merci. Et de seul au fond du monde. Et de seul. Donc c'est l'âme, c'est le fragment d'âme qu'il nous fallait, peut-être. Ah, ok, il est content. Flowey est content parce qu'il a une âme humaine. J'étais inquiet de redevenir léger. Je sais pas si je peux le faire, Sense. Je veux pas mourir encore. Ne t'inquiète pas, gamin. Nous avons une paire d'heures avant que Fritz tombe. Nous avons plus de détermination que quiconque dans l'Underground. Toi, mon ami, ce qui est cool, vu que tu n'as que 3 PV. 3 HP. Enfin, je veux dire HP, hein. Je préfère HP finalement. 3 HP. Nous allons les garder pour toujours. Alors nous devons devenir plus forts. Tu dois convaincre les autres de te donner leurs fragments. Et si tu fais ça, nous pouvons utiliser l'extracteur du labo d'Alphys. Et après, tu pourras l'absorber et avoir un petit peu plus d'HP avec ces fragments. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu veux bien m'aider? Je peux choisir, c'est la particularité, c'est pour ça que j'ai dit que c'était aussi un let's play. Donc, j'ai le choix entre Help Him ou Nabra. Donc je vais prendre Help Him. Parce que je suis gentil, parce que sinon c'est la fin de l'aventure. T'es de tout. Attends, il fait combien de temps là? Je vais le faire. Oui, je vais le faire. Thanks, kid. Merci, gamin. Voici une liste des suspects avec les fragments d'âme. I'd follow the order if I were you. J'en ai suivi à l'ordre. Je suivrais dans l'ordre si j'étais toi. Chaque fragment doit être du machin. Encore un putain de mot que j'ai vu partout, mais que je sais pas ce que ça veut dire. Au final, assez pour confronter le prochain suspect. Et voici un téléphone portable. Appelle-moi quand tu auras convaincu un suspect. Ou si tu veux de l'aide. Va voir... Au revoir l'homme de la rivière. Ou la femme de la rivière. Ça n'a pas d'importance. Il va t'emmener à Waterfall. Bien. Je vais chez Wilby. Faire que ça le mec. T'as un problème, Grilby est là. Tu vas morfler, pauvre petite merde. Bon. Sale gosse. Pourquoi ne serait-ce... Attends.
Bon, ne serait-ce pas le prince Azriel? Ça fait un très long moment. J'adore. Non, mais il était mort avant. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Waterfall, s'il vous plaît. On y va. Bon, arrête de secouer la tête. Merci. Toi là là. Quelqu'un joue dans le noir. Il arrive. Bientôt, il arrivera bientôt. Quel est notre premier arrêt? Nabstablook. Bloca Quiz. C'est son surnom qu'il lui donne. Bon bah Bloca Quiz, je sais pas ce que ça veut dire. Et juste à l'est d'ici. À l'ouest, pardon, d'ici. Mais Azriel, réfléchis à propos de ça pendant une seconde. Nous avons quelques HP. Regarde qui il y a sur la liste. Nous avons Nabstablook, Alphys, Papyrus, Gridby et Ondaï. L'enfer sur Terre. Bon, bah... Mon pire cauchemar. Bah, tiens, lui aussi l'a remarqué. Nous n'aurons aucune chance contre elle. Pas moins si nous... Et pas moins si nous devenons plus forts. Es-tu en train de suggérer... Ce n'est pas grave si quelques monstres meurent. Attends, je fais pas la belle fouille. Nous les sauverons pour quelque chose de bien pire. Ils reviendront bien. Enfin, ils seront de retour en pleine forme après notre reset. Faisons-le pour le plus grand bien. For the great good. Non, Flowey. Je suis une pacifiste. Ta mère. Non, je veux pas, je te laisserai pas faire ça. Tu veux pas me convaincre de faire mal à quiconque. Je sais qu'il y a un moyen sans que personne ne meure. Espèce d'idiot, si tu veux mourir encore, eh ben je vais pas t'arrêter. Mais si tu veux arrêter, si tu veux... Mais si tu n'arrêtes pas Frisk, ça sera toute ta faute. Ça se dit pas, mais c'est l'anglais, ils disent all your fault, du coup, moi je dis toute ta faute. Mais ça sera seulement ta faute, voilà, c'est ça. Nous prenons ce risque. Je vais trouver Nabstablook. Lui faire bouffer ses dents, ok. Bouffer ses escargots, hein, tu vois. C'est ça. Part 2.